www.casarima.fr. Même si le diable est venu pour écorcher et détruire, à ta rocadia pemba, y'a qu'à pour le combo, ma paix comme ça. Mais écoutez, Meyoka, il y a quelqu'un qui est maintenant sur cette rue. Il est venu afin que tu aies la vie. Et cette vie soit en abondance. Pendant que tu entends la voix de l'homme de Dieu, c'est Christ qui est en train de frapper sur la porte de votre vie. Personne ne connaît le jour de la fin de son mandat sur la terre. Ce soir, tous ceux qui vont rencontrer cet homme, tous ceux qui vont donner leur vie à cet homme, tous ceux qui prendront le courage à ta prise à chair, verront leur vie changer. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Par des problèmes. Quand on parle de Kimbanseke, dans d'autres communes, on le pensera toujours. C'est la commune où on enterre les gens. Voilà pourquoi Kimbanseke, si un homme de Dieu veut sortir, on va chercher toujours à l'intérêt. Parce qu'à Kimbanseke, on n'élève pas des gens, mais on ne fait qu'enterrer les gens. Si tu veux te marier, ils vont chercher par tous les moyens pour compliquer votre mariage. Est-ce que Kimbanseke pourra-t-il sortir quelque chose de bon? Non. Quant au monde et quant au diable, pour Satan, Kimbanseke enterrera toujours les gens. Si vous voulez sortir à Kimbanseke, comme un grand musicien, on cherchera à t'intéresser. Tu vas sortir comme un grand monsieur, un grand homme, on cherchera toujours à t'intéresser. Je viens te dire ceci. Tu es créatif de Dieu. Dieu t'aime. Zamba liga kayo. Kimbanseke. Kimbanseke. Tu es dans le plan de Dieu. Osali la katia miango ya zambe. Aujourd'hui, lelo, nous parlons de Jésus sur cette avenue. Te solo bela Yesu na barabara oyo. Je parle de cette avenue. Na solo bela ti na barabara oyo. L'avenue qu'on a appelée en avant Jérusalem. Barabara oyo babenga ki kala kala Jérusalem. Dieu veut encore rebâtir sur les anciennes ruines. Dieu veut encore restaurer des choses. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs. Je remercie les éminents hommes de Dieu qui m'ont accompagné dans ce travail. Que Dieu vous bénisse. C'est à travers de vous que j'ai eu ce courage. Que Dieu vous bénisse encore. Écoutez, Dieu guérit toujours à travers un homme. Zambe a biki sa kabikolonyo sokole kalaka bela moto. Tu es créatif de Dieu. Osali kela mona zambe. Tu n'es pas de ce monde. Osali a mokili ote. Tu n'es pas de ta famille. Osali pe alibota na yote. Tu n'es pas de ce quartier. Osali pe ya nzinga nzinga ofandite. Spirituellement parlant, mula molimo koloba. Tu es de Dieu. Osali a zambe. Et c'est Dieu qui t'a placé sur ces contrées. Zambe ne muta lingi yo fanda na nzinga nzinga oy. Tu vis sur la terre dans le plan de Dieu. Et c'est de la volonté de Dieu que tu es sorti dans ces communes.
Je viens te former une chose que tu peux peut-être ignorer. Pendant que nous rassemblons sur cette avenue à Kimbanseke, cette réunion, cette campagne, doit être vue dans le monde entier. Les reportages qu'on fait maintenant à travers cette culte maintenant. Ce film est en train d'être vu dans le monde entier. Mon Basili, nous sommes en train d'être suivis. Je te dis vrai. Si tu vas à l'internet, frappez entrer dans www.casarema. Tu verras cette assemblée. C'est pour te dire ceci. Kimbanseke, ne t'ignore plus. Kimbanseke, ne t'ignore plus. Mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, Dieu te connaît. Dieu a un plan pour toi. Nous sommes décidés de faire sortir Jésus que nous avons toujours prêché sur les enclos. Nous avons dit nous allons commencer à lui faire sortir sur l'avenue Makombo. A commencer par Jérusalem et nous irons jusqu'aux extrémités. Je viens te dire ceci. Parce que Jésus était sorti sur la rue. Bartimée l'a rencontré. Parce que Jésus était sorti sur la rue. Sachez aussi. A eu l'occasion de lui rencontrer. Parce que Jésus était sorti sur la rue. Marie de Magdala. A eu aussi l'occasion de lui rencontrer. Pourquoi? Nos églises. A aussi d'autres. D'autres traditions. Parfois, ça semble un peu dur aux autres ou aux païens de nous approcher facilement. Voilà pourquoi, sur cette occasion, je viens te former ceci. Jésus est sur la rue. Tu dois en profiter. Amen. Amen. C'est Jésus que je viens te présenter. Yes, côté. Il ne fait pas l'exception de personne. Qui que tu sois. Ce soir, tu as une occasion. Et c'est une occasion favorable. Même si Kimbanseke a toujours l'habitude d'enterrer les gens, mais c'est Jésus qui est venu sur cette rue. Quiconque aura l'occasion de lui rencontrer, quiconque aura l'opportunité de lui toucher, aura la vie sauve. Voilà pourquoi je viens vous dire ce soir. Sauve-toi, ma soeur. Sauve-toi, mon frère. Sauve-toi. Parce que Jésus est déjà là. Il est sur cette rue. Tu entends sa voix à travers son serviteur. N'endurcis pas ton cœur. Je t'en dis, n'endurcis pas ton cœur. C'est une occasion pour toi. Tu es fait. Zambalingi, votre vie. Bobo il a yo. Tu es fait. Zambalingi, votre bonheur. Bobo il a yo.
Je viens t'informer encore. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme bon et merveilleux. L'homme a été créé un homme bon et un homme merveilleux. Un homme qui devait jouer son bien-être tous les jours de sa vie. Vivre une vie de bonheur tous les jours de sa vie. Mais hélas, la jalousie du diable l'a poussé à venir faire chuter l'homme. Et l'homme est tombé dans le péché. Il a été privé de la gloire. Depuis lors, la malédiction est entrée. Les maladies sont entrées. Les difficultés, la souffrance sont entrées. La mort est entrée. Et l'homme a commencé à souffrir ou à soupir. L'homme commence à vivre double le temps sur cette terre. Je te rappelle, la terre c'est l'héritage de l'homme. Parce que la Bible dit, Dieu créa la terre pour l'homme. Les cieux et les cieux des cieux, c'est pour Dieu et ses anges. Comme tu es là, Dieu veut que sur la terre, et que tu vives une bonne vie, et que tu jouisses aussi du bien-être tous les jours de ta vie. Mais voilà tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la conséquence de la réalité du combat de notre adversaire, le diable. Tous les jours de sa vie, il cherche toujours à exercer son carrière. La Bible dit, il ne sait que voler, égorger et détruire. Toutes les mauvaises choses que vous vivez dans votre vie, c'est la conséquence de la réalité de tout ce que le diable veut faire dans l'homme. Le diable a toujours cherché à changer la gloire de Dieu sur l'homme à la honte ou à la désolation. Même la vie que tu es en train de mener, qui n'est pas bon à tes regards, parfois ça te fait honte aussi. C'est ce que le diable veut en toi. Talama kamo satana aligni na bomo na yo. Il a cherché par tous les moyens. Azolu kalamzela nyoso. A voler l'amour. Yako liba bolingo. Et te donner la haine. Pe apesa yo motema la kanda koina. Il cherche par tous les moyens comment voler la joie à toi et te donner la colère. Azolu katango nyoso. Lo lenge lili akoyiba yo esengo. Pe apesa yo kanda. Des bonnes pensées qui sont en toi, des bons caractères, le diable cherchera par tous les moyens à ôter ce qui est bon dans toi et à mettre du mauvais. C'est son carrière. Les travailleurs de la moisson sont venus au maître pour lui dire, oh, n'as-tu pas donné, n'as-tu pas semé de bonnes semences sur les champs? Mais voilà ce que nous vivons. Nous voyons livrer, croître ensemble avec le blé. Mais
Tala sikoyo o biso tozali komona lo moto ya malamu ko bima pe lo moto ya mabeko bimesika moko. Cette vie qui est mauvaise, qui est en train de se manifester dans toi. Bomoi oyo ya mabe, bozali komoni sa makati na yo. Ce n'est pas de ta volonté. Ezali na posa na yo te. Il y a quelqu'un qui cherche à changer cette bonne vie qui est en toi pour que ça soit une mauvaise vie. Ezala moto moko azali ko luka butu moi. Voilà pourquoi nous remarquerons que l'amour a disparu dans beaucoup de gens. Talatina tous les commentaires, Bolingo et Longwe et pas Matuebele. La joie n'a disparu. Esengo et Longwe et pas Abato. Savoir s'entraîner ne se remarque plus au milieu des gens. Koluka boyo kani malam et zomoli sa masusu tekatina bato. Dans des champs, les gens respirent que la haine, la vengeance. Les gens sont prêts à haïr que à aimer. Le pardon n'existe plus au lieu des gens. Tu es chaque fois poussé à beaucoup boire de la bière. Tu es chaque fois poussé à fumer de la chanvre. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Le diable veut changer ce que Dieu a fait dans toi. Mon ami, Dieu t'a créé bon. Tu as un bon destiné. Ta vie n'a pas encore pris fin. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Prenez courage. Jésus est sur cette rue maintenant. Il a une mission pour accomplir. Pour le désespérer. Pour ceux qui sont abattus. Le diable t'a donné des raisons. Qui te pousse à ne boire que de bière. Le diable te donne des raisons qui ne poussent que toujours à faire du mal. Sur combien de gens que tu as semé la maladie de Massou. Boni. Tu ne fais que respirer la vengeance. Yo salika wala pour consommer sa mabe na mabe. Parce qu'il m'a fait ceci. Le lenga ya salinga iboye. Moi aussi je lui ferai cela. Il peine à consommer cela yango. Il y a que la colère et la méchanceté parmi les hommes. Et salika bena kanda pela misala mabe katina bato. Jésus est venu sur cette rue. Soyez na balabala oyo. Avec la mission de la restauration. Na etindia ya kobongisama. Il s'appelle le réparateur de brèches. Il peut tout restaurer dans ta vie. C'est possible que votre vie puisse être changée. Même si le quartier te condamne. Même si les gens de ce monde te condamnent, mais Jésus t'aime encore. Il est prêt pour te pardonner de tout péché. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte des brebis. Quiconque entrera par moi trouvera la vie. Il entrera, sortira. C'est synonyme de la liberté. Et tu trouveras le pâtirage. Cela veut dire en Jésus, tu ne manqueras de rien. Même si le diable est venu pour voler, même si le diable est venu pour écorcher et détruire,
Mais écoutez, mais yoka, il y a quelqu'un qui est maintenant sur cette arrière. Mais ça n'est pas mon tomoko. Oya sa sukona balabala oy. Il est venu. Aye. Afin que tu aies. Mais pas te yo. Tu aies la vie. O soit bon moi. Et cette vie. Et bon moi yamo. Soit en abondance. Mais ça bon moi yamo fuluki. Bete la Yesu wana maboko makase sikozali. Yesu ezala balabala lelo pola yo. Je viens te dire ceci ce soir. Yoko yebisa yo boye lelo la poko lelo. C'est possible. Ezali poya magazala makoki. C'est possible. Ezala koma koki. Que votre vie puisse être changée. Bete bon moi yo bon moi là. C'est possible. Ezala makoki. Que votre vie puisse être délivrée. Bete bon moi yo ekango la ma. C'est possible. Ezala makoki. Ce soir, tous ceux qui vont rencontrer cet homme, tous ceux qui vont donner leur vie à cet homme, tous ceux qui prendront le courage que pris à chair, verront leur vie changer. Ce que je viens de dire, prends courage. Zwampiko. Prends courage. Zwampiko. Sors de l'hypocrisie. Bimanya bilogi bibale. Sors de l'hypocrisie. Bima, bima, bima la bilogi bibale. Tu connais ce que tu es. Oyebi malamu oyo zali. Et Jésus te connaît plus que toi-même. Maintenant tu attends sa voix. Il attend ta réaction. Il attend ta réaction. Voilà pourquoi il te dit, sauve-toi. 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 Sortez du milieu de Bimana Katsina Bango. Sortez du lieu où vous habitez maintenant. Bimana Kesika Yosaliko Vanda Sukoi. Vous êtes longtemps demeuré dans l'ignorance. Vous êtes longtemps demeuré dans les ténèbres. Et vous n'avez rien reçu. Vous n'avez rien reçu. Père, soyez le côté. Ça n'a rien changé dans votre vie. Bon, on appelle le côté là-bas, moi, il a eu. Le diable est en train d'en profiter. Ça, t'as la nez à lui construire la main, c'est là. Pour continuer à mettre des limites sur votre vie. Voilà, comme à côté, là, il y a eu, il y a eu, il y a plus tu te cartes de Jésus. Ou en attendant, il y a eu, il y a eu, beaucoup de choses. Ma camopelle. Sont en train d'être compliquées dans votre vie. Et ça lui, comme à mon boulot, là-bas, moi, il a eu. Ce que le diable ne va pas toucher, oh yo kaka satana a kogi kosi matin, ce sont les gens, les alibato, qui vont attacher leur vie à Jésus. Oh yo makokani sabomo il a bongo pa il a Yesu. Ici nous sommes pas venus au rassemblement des chrétiens, nous sommes à toyer na lisanga ba Christote, mais nous venons vous présenter un homme. Kasi toyer kon la ki sabino moto moko, que quiconque n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Et moto oyo na luna la yamba yete la bobo il a Yesu. Puisse le recevoir maintenant. Ayamba Yesu koyo. C'est maintenant le jour du salut. Et salut n'est le sikoyo andabo kono na lobiko. L'homme sur la terre a un mandat. Moto na se ma bela wa salut le tindia. Chaque mandat a un délai. Kasi na ebisio te tindia nyoso et salut la suka na yango. Chaque homme doit savoir ceci. Moto nyoso se ngala ye baboye. Toute vie a un commencement et une fin. Bon moi ya moto nyoso se ngala kale bandele pe sa kala suka. Voilà pourquoi David a dit. Apprends-nous à savoir compter nos jours sur la terre. Pendant que tu entends la voix de l'homme de Dieu, c'est Christ qui est en train de frapper sur la porte de votre vie. Personne ne connaît les jours de la fin de son mandat sur la terre. Pendant que tu vis, ne vis pas seul. Kobika côté. Vivez avec Jésus. Attache ta vie avec Christ. C'est très important. Le diable cherche par tous les moyens comment détruire, comment égorger et compliquer la vie des gens.
Satan a son corps, le n'a pas bato. Ceux qui n'ont pas Jésus, sont comme une proie. Ils sont comme maintenant comme une proie entre les mains du diable. Basali le niama na mutamu na maboko ya Satana. Ce soir, je viens t'exhorter, mon frère. Na yeko lendi sayon de kolanai. Dans ce monde où nous vivons, Namokilio tozali sans Jésus, kozanga Yesu, tu ne peux rien. Okoka elo kote. Prenez la décision aujourd'hui. Sois mon canon si quoi si quand on sali. C'est le jour qui s'arrive pour toi. Les amis, mon col est l'obus copain ayo. Connais qui c'est un autre déco. Dieu veut que votre vie puisse être changée. Zambaligné, t'es bon, mon ayo. Et l'homme, le lègue, ça l'est là. Nos quartiers sont détruits. Nos quartiers sont détruits. Bah, si Kami sont au van, lui, au van, lui, si Kato, mais c'est la covan. Et ça, y'a copé, Baba Ligami. Le prince de ce monde, mon conti, y'a mon kili, oyo. Il cherche à dominer la vie et dominer la famille, dominer le fils de son. A Jean-Luca, Kokonza, ma botte. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne dorment plus bien. Il n'y a que des cauchemars. Les hommes vivent de femmes de nuit et des femmes vivent de mari de nuit. Il y a beaucoup de problèmes spirituels dans les familles. La sorcellerie cherche à dominer et compliquer la vie, compliquer les avancées des gens. Et qui est ça, beaucoup de gens étaient intelligents, mais n'arrivent plus à évoluer parce que son intelligence est maintenant brouillée par le diable. Beaucoup de gens mènent des vies bonnes devant Dieu. Mais maintenant, le diable a compliqué leur marche et leur conduite. Mais Satan a continué à la bango. Je viens t'exhorter, mon frère. Tu seras sauvé. Que si vous recevez Jésus, okopika kaka soko yambi Yesu. Le plus fort c'est cet homme. Moto ya makasi koleka. Il est capable. Eza moto wana za makoki. De déloger celui qui cherche à dominer votre vie. Ya ko benga na moto wazo lika ko kanga ko konza bomo ina yo. Ce soir, pourquoi la lelo? C'est le commencement du changement dans votre vie. Eza ebandeli ya ko bomo na ya bomo ina yo. Moi je crois cela. Na ina nimi yango. La Bible déclare. Il est tétoli. Ce n'est ni par le pain ni par l'homme. Et c'est lui qui le calme pas, mais tu peux le calme au total. Et c'est par l'esprit de Dieu. Mais qu'on le calme au niveau la zambé. Jésus fera cela dans votre vie. Jésus fera cela dans votre vie. Yesu akosala yango na bomo ina yo. C'est le temps convenable pour toi. Et ça lui tend au malam pour la yo. Je suis la porte des brebis. Nazali est couqué, il a m'empâté. Jérusalem. Jérusalem. C'est la ville de paix. Et ça lui est Ngumba ya Kimia. Dieu révèle son plan pour votre vie. Zambé, attendu si yo miyango na ye pour la bobo na yo. Tous ceux qui sont approchés à ces campagnes, à travers cette rue, je crois qu'ils trouveront grâce à ce Dieu qui les a visités. Batonio sont éboyés. La campagne, la milou, la balabala, Dieu considère cette rue comme une ville de paix. Zambé azali kotanga sikoyo balabala oyo lokola engumba ya kimia. Je te dis, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. La émission de Koranga Mosima Bobal. Fongo la beauté malayo. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau sur votre vie ce soir. Zambé aligi komande loko moko ya sika. La maman ina yo la pokolelo. Ce mur qui vous bloquait de ne pas évoluer, ce mur va être tombé ce soir. Et tout le monde est allé comme Pekisayo, ok de l'Ibosote, et tout le monde est comme quoi il y a la pokolelo. Tous les démons de malédiction, de blocage qui vous assiégeaient autour de votre vie, de votre famille, tous ces démons vont vous libérer ce soir au nom de Jésus. Batemou la nyoso, ma kodi sayo, la mia kalibabe, ma kamakayo, pas moi, ma tête. Le lana poko ya lomba kopima la momo ina na kombo la Yesu.
votre vie sera changée. Je te dis la vérité, ta vie sera changée. Cette nuit, la nuit d'aujourd'hui, sera une nuit de miracles pour toi. Tu verras beaucoup de signes. Celui qui le fera, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est venu te chercher. C'est le temps de te sauver. C'est le temps de se fier aux hommes. C'est le plus le temps de regarder l'entourage. Même les entourages aujourd'hui sont détruits. C'est aujourd'hui le temps d'avoir un bon ami. Tu as toujours cherché les bons. Toi, tu as toujours cherché des bons. Tu as cherché à avoir un bon ami. Un bon mari. Une bonne femme. Moi, c'est malam. Mais tu as toujours été déçu. Mais voilà pourquoi Jésus a dit, il n'y a de bon qu'un seul. Qui est bon. Il est le fidèle. Il est le véritable. Je viens te présenter celui-là. Même moi qui je te prêche, je ne suis pas bon. Mais celui que je te présente, il est plus bon. Il est très bon. Nous sommes là. Le Seigneur veut accomplir sa volonté suprême. Quelle est cette volonté? Et que l'homme soit sauvé. L'homme soit guéri. Amen. Amen. Corrompu. La méchanceté de ces gens était accrue. Les gens étaient plongés dans l'impureté. Même si des gens de la ville mariaient et se mariaient, il y a eu aussi des gens qui partaient au travail et revenaient. Il y a eu des gens aussi qui travaillaient au champ. Et la vie était normale dans cette ville. Et cela leur a entraîné à la distraction. Tous les gens de la ville ignoraient qu'ils étaient des créatures de Dieu. S'ils existaient sur la terre, ils existaient par la volonté du Créateur. Ils s'étaient plongés dans le mal. Ils faisaient n'importe quoi. Ils vivaient comme ils voulaient. Il y a eu des mariages des homosexuels. Dont des femmes pouvaient se marier entre elles. Et il y a eu aussi des hommes pouvaient se marier entre eux. L'impureté était grave dans cette ville. Les gens pouvaient marcher nus sur la rue. Et commettre de mauvais actes aux yeux de tout le monde. Et tout ce que les gens faisaient, Dieu regardait du haut des cieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui vivaient, ils pensaient qu'ils avaient toute la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient et de commettre tous les actes qu'ils pouvaient faire. Or, la Bible dit, il y a eu un temps que Dieu avait arrêté du haut des cieux. Où il devait tout arrêter. Alors pourquoi il y a des péchés des anges? Et quand ils ont découvert que la méchanceté de ces gens
gens et misalama be abatona sont bel et bien réels et sali peta ya solo et maintenant boesikoyo Dieu arrête la destruction de cette ville zamba kanisi ete ko pepisama ya moko eko kisama. Alléluia. Comme nous existons ici sur la terre, nous n'existons pas par nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui nous a créés, mes amis. Il existe. Qui nous précède? Personne n'amène la richesse. Personne n'amène la richesse là-dedans. Dans le sépulcre. Personne. Comme nous sommes venus dans le monde, nous sommes venus à main vide et nous n'emporterons rien. Même si nous nous attachons plus dans ce monde, à tout ce qui nous fait plaisir, à tout ce que nous pouvons aimer, la gloire, le plaisir, les femmes, l'argent, tout ce que nous pouvons aimer, la Bible déclare, c'est éphémère, c'est passager. Dieu a découvert que dans les derniers jours, les gens aimeraient plus ces choses que Dieu. Voilà pourquoi l'amour de plus grand nombre a disparu. Parce que beaucoup de gens se sont plus attachés au monde qu'à Dieu. À cause des choses du monde, tu es prêt à haïr quelqu'un. Tu es prêt à jeter des masses pour ton prochain. Tu ne respires que la méchanceté. Même ceux qui font Kuruna aujourd'hui, ils ont des raisons de le faire. Quelles sont ces raisons? Ce ne sont que des raisons terrestres. Jusqu'à couper ton frère ou ta soeur la tête ou le bras seulement à cause d'un téléphone. Tout ce que nous voyons, mes amis, cela nous révèle une chose. La venue de Christ est proche. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que ton âme soit sauvée. Écoutez, Yoka, si tu continues à regarder que le mariage, regardez que le voyage, les habits, les biens de ce monde, ça deviendra une grande distraction pour toi. Je vais te demander une chose. Les païens ne voyagent pas. Ils n'ont pas de l'argent. Les féticheurs n'ont pas de maison. Les magiciens n'ont pas de biens. Ils n'ont pas de véhicules. Si c'est pour ces choses, Jésus-Christ n'allait pas venir. La cause de la venue de Christ pour mourir à la croix, à cause de toi. C'était pour sauver ton âme. Parce que depuis le commencement, on avait perdu ce qui était précieux pour nous. Qu'est-ce qu'on avait perdu? C'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Tu peux avoir tout. Mais si on vient te dire, tu vas mourir, tu deviens triste. Pourquoi tu deviens triste? Parce que tu vas tout rester. Quand tu vas regarder le jeep, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu regardes ta maison, tu deviens triste. C'est la mort. Voilà pourquoi
Christ est venu vaincre la mort. Et ça les coufa. Tant que Christ a que colonne à coufa. Aujourd'hui, mais non. Ce que nous devons savoir, mais quand les bisous se gagnent, toi y es pas. Par rapport à tout ce que Dieu a voulu nous donner. Le plus important que nous devons retenir, Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Nous avons besoin de cette vie, mes amis. Une vie sans fin. Et si vous avez cette vie, vous avez toute la silence. Cette vie commence d'abord. Bouma yona et banda kakuna. Et nous irons avec auprès de Christ. Tatu comme mango, tel la Christ. Jésus a dit, yes, alobi. Il faut que je m'en aille. Et sengali atengali akende. Pour que je puisse préparer aussi des places pour vous. Tatu la kende comme vous s'appelle ici kabola bino. Il faut que là où je serai. Et vous aussi vous y soyez. Es-tu d'accord avec moi? Ne faites passer pas vos temps ici sur la terre. C'est une grande distraction. Je vais continuer à filmer les chambres. Parce que c'est la vie que Dieu m'a donnée ici sur la terre. Je vais continuer à saouler ou à boire de l'alcool ou de liqueur forte parce que c'est cette vie que Dieu m'a donnée ici sur la terre. Je vais continuer à faire n'importe quoi et tout ce que je veux. S'il faut haïr les gens, je vais haïr. Je vais dominer sur les autres. Plus que vous vivez ainsi, vous approchez aussi à la perdition. Ce soir, mon frère, je vais vous appeler à la grâce. Parce que ceux qui ont entré à Sodome pour faire sortir Lot sont aujourd'hui sur cette terre. Il suffit seulement de marcher à pied à partir de la cimetière jusqu'au boulevard. Vous regarderez sur Macadam, vous regarderez de l'autre côté, entre les deux côtés, vous regarderez qu'il n'y a que des abominations. Il n'y a que beaucoup de bars et de gens sont là en train de buver, de faire n'importe quoi. Et surtout vous regarderez même les chants, même des danses que les gens sont en train de danser aujourd'hui, à moitié ni. Il n'y a que des paroles sans bidère qui sortent avec de tels genres de chansons. Les gens sont comme dit qu'on est dans le cimetière, dans ma lutte. Aucun de la macolo, c'est ce qui avait poussé à Dieu de précéder les anges pour vérifier à Sodome. Tout ce qui se passe ici, c'est vrai. Écoutez, je vais vous révéler une chose. Si le péché a crié, si le péché domine dans un contrée, il se multiplie aussi beaucoup de sortes de maladies et de morts inopinées. Et beaucoup de gens meurent. C'est à cause de ce genre de choses. Sors de ces gens. Sortez du milieu de... Dans des milliers de boissons,
dans des milliers de gens qui font n'importe quoi, vous ne trouverez pas la consolation ni le soutien. Peut-être tu diras que le pays est dans la souffrance, il faut que je me soulage de cette façon. Là, tu t'enfonces encore dans les trous. Tu augmentes encore la souffrance sur la souffrance. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a la jalousie? Parce qu'il y a la dégradation sociale dans notre pays. Mais écoutez, mon frère, ma soeur. Je vous appelle ce soir à l'évangile. Parce que l'évangile a des réponses sur ce genre de questions. Vous devez être sauvés. Le temps est difficile maintenant. Vous devez ouvrir les yeux et comprendre tout ce qui se passe. La Bible dit, il y aura beaucoup de gens que l'ennemi va infiltrer dans ces derniers temps. Et partout vous ne verrez que de mauvaises choses. Même dans nos familles, nous trouverons des divisions, des troubles. Mais écoutez, ce soir, les anges sont venus vers toi pour te dire, hein, le temps est difficile. Tu dois sortir de l'ignorance. Sortir de l'endurcissement du cœur. Vous devez sortir de l'égarement. Celui qui est venu chez toi, c'est Jésus. Il va te faire sortir de là. Ce qu'on a dit à l'autre, tout est fini. Prenez seulement tes deux filles et ta femme est sortie. L'autre tourné encore. Il a pensé aussi au gendre, à ses gendres, donc le mari de ses deux filles. Il est parti les appeler. Non, vous devez être sauvés avec moi. Mais ces gens ont pensé que l'autre plaisantait. Pendant que l'autre pensait à ses gendres, le temps pensait. Les anges diront, l'autre, sauve-toi. Sauve-toi. Ce n'est plus le temps de regarder à gauche ou à droite. Sortez. Le temps est accompli. La ville doit être détruite. Ils l'ont pris. Ils ont pris l'autre par force. Ces deux filles, ils les ont fait sortir. Et voici le chemin. Vous suivrez ce chemin. Et vous trouverez le salut sur la montagne. Courez jusqu'à la montagne. C'est là où vous trouverez la vie sauve. Voilà les consignes que je vous donne. Ne vous arrêtez pas. Et ne regardez pas en arrière. Ce que Dieu t'a dit. Ne regardez pas le plaisir de ce monde. Ne regardez plus en arrière. C'est le temps d'être sauvé. Le temps est déjà là. Sortez de la fétiche. Sortez de la sorcellerie. Sortez de toutes ces choses. Ça vous amènera à la mort. Vous êtes créature de Dieu. Dieu ne veut pas votre mort. Dieu veut que tu sois
C'est le temps de la vérité, mes amis. Je t'appelle, mon frère, ma soeur. Jésus ne te donne pas de conditions. Il ne t'apporte pas de lourdes fardeaux pour mettre sur ta foi. D'ailleurs, il dit, venez à moi, vous qui avez des fardeaux, venez. Et moi je vous donnerai le mien qui n'est pas lourd. Aussi longtemps que vous vivez, les problèmes, les difficultés, les maladies, tout ce qu'on peut avoir besoin, Dieu peut le donner à tout moment pour ses enfants. Si Dieu ne nous a pas privé son fils, il ne nous privera aussi aucun bien avec Jésus. Aussi longtemps nous vivons, nous savons très bien entre l'homme vivant. Et le bien de ce monde, c'est l'homme vivant qui a plus de valeur que le bien de ce monde. Et Dieu a donné un homme mourir à ta place, mourir pour notre intérêt, mourir pour nous pardonner, mourir pour effacer tous nos péchés, mourir pour nous justifier, pour nous sanctifier, mourir pour nous donner la vie. Moi je crois que si tu acceptes cet homme, tes péchés seront pardonnés. Et après,
on te donne le don gratuit de la vie éternelle. Parce que Dieu dit, ne craignez pas petit troupeau, parce que Dieu a jugé fort de vous donner d'abord le royaume des cieux. Après que Dieu donne la vie éternelle à celui qui croit à son Fils, et Dieu maintenant va regarder dans ta vie, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'il y a comme problème, qu'est-ce qui te fait souffrir, qui sont les gens qui te tourmentent. Quels sont les problèmes que vous traversez dans votre vie? Et Dieu se lèvera un à un, commencer à donner des solutions à tous ces problèmes. Voilà pourquoi tous ceux qui sont en Christ, Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Pour ceux qui croient en Jésus, le salut est déjà pris près de eux. Il suffit de confesser ce qu'ils ont crient. Il suffit de confesser celui que tu as cru. Et quand le miracle commence. La grâce t'accompagne. La puissance de Dieu se manifeste. Le très important, vous devez renoncer à vous-même et renoncer à tout ce qui sont du monde. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est la distraction. N'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Le monde et sa convoitise passeront. Mais ceux qui vont s'attacher à Jésus, ce sont ceux-là qui vont demeurer éternellement. Écoutez, je vais te dire une chose. Quelle que soit la vie que tu es en train de mener ici, mais ces corps que vous voyez, c'est un corps corruptible. Si vous rencontrez un vieillard de 90 ans, 95 ans, ce qui te coûte rien en Pakamoko, il y a le latin, il y a le sec. Ou à 100 ans, et que vous regardez son visage et son corps. Et de haut à l'élongue d'ailleurs, peut-être la sorte d'ailleurs. Vous ne penserez pas que c'est lui qui draguait des filles. Vous ne penserez pas aussi que c'est lui qui a beaucoup de filles et se battait pour lui. On continue que Koko Oyo, n'a qui bon légué d'ailleurs, pas si ma boule la qui est. On continue à la qui bon Koko d'ailleurs. On continue à te. Et souvent, ces gens de vieillards, nous les avons toujours soupçonnés du mal. Vous savez pourquoi? Parce que le corps a hissé. Ce corps, même si vous veillez pour le garder, ça déçoit toujours. Et vous soyez moko. Ça va vous décevoir. Ce que je te demande, soit Jésus. Recevez Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est descendu pour toi. Dieu pouvait détruire Sodome et Gomorrhe sans pourtant former qui que ce soit. Parce qu'il est souverain dans sa souveraineté. Il pouvait seulement appliquer la dimension de son jugement. Mais s'il acceptait qu'il y ait des missionnaires, c'est qu'il avait découvert quelqu'un qui devait être sauvé. Aujourd'hui, vous attendez la voix de Dieu. Dieu veut que vous ne mourrez pas. Que vous recevez d'abord Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la garantie de la vie, la véritable garantie.
Yesu. Amen. Makambo boye kaka pe awa. Si vous continuez à faire couler le temps, ce que Kobi Koleki Satan, peut-être la fin de ton mandat est prêt. Tant à ma soussou, mi colonna yo a bombo yo comme pene. Amen. Je viens t'informer comme ces anges. La yé koye mi sa yole rolo kola babu keloube. Sauve-toi mon frère. Mi biki sa de kola gai. Sauve-toi ma sœur. De kola gai mwasi mi biki sa. Le temps est détruit. Pour te tango se pepi. Le pasteur ne pourra pas te sauver. Pasteur mon kote mo kengeli mon kota koye komi kisa. Ni apôtre ni évangéliste. Mon kote mo panti sango mon kote. Ni tes parents. A te ma boti na yote. Personne ne pourra te sauver. Mon kote mon kota koye komi kisa. La Bible dit dans le ciel et sur la terre. Il y a la mine du kolo pena ma pele. Dieu a donné que seulement. Samba pesa ka de combo moko. C'est nous Jésus. Combo na Jésus, c'est le nom que Dieu a donné aux hommes. Mais ali combo samba pesa la bato. Pour lequel les gens de ce monde doivent être sauvés. Wa te bato mo kilo e ba biki sama. Pourquoi le nom de Jésus? Ona nini combo ya Jésus. Écoutez-moi. Yo kanga maram. Ne perdez pas le temps dans d'autres religions s'il vous plaît. Comme le qui s'attend mo tela biyamba mo likami. La religion ne sauve pas. Biyamba e biki sakate. Ce qui sauve, c'est le nom. Oh, et puis qui s'en va? Et ça lui met combo. Si vous avez ce nom, ce que vous allez le combo, non? Vous êtes sauvés. Mais si vous n'avez pas ce nom, déjà vous êtes condamnés. Le jugement est déjà là. Mais ça, c'est le si vous avez Jésus, vous avez la vie. Et mais si vous n'avez pas Jésus, mon frère, c'est un danger pour ton âme. Prends conscience. Sois ma yele. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Celui qui a Jésus, yo azala Yesu. Il a la vie. Azala bomo. Mais celui qui n'a pas Jésus, yo azala Yesu te. Il est déjà condamné. Asakwe isami. C'est le temps de recevoir Jésus. Ezali tango nde ya ko ya ba Yesu. Vous voulez savoir encore un plus? Bolingi ba ba susu mingi. Après la mort, na sima kufa. Où allons-nous? Toko kende wapi? Après la mort, na sima kufa. Où allons-nous? Je viens te dire ceci. Rappelle-toi de tout ce que je te dis ce soir. Vous n'avez qu'à recevoir Jésus. Après la mort, c'est la vie ou le jugement. Ceux qui ont Jésus, dès qu'il ferme les yeux, à l'éclair d'œil, les anges viennent, les anges descendent. Il vient rencontrer un saint. Il vient l'enlever. Et partir avec. On lui dira, tu as vaincu. Le sang de Jésus se sanctifie. Tes péchés sont déjà pardonnés. Vous êtes juste. Vous êtes juste. Vous êtes juste. Amen. Patrias. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, dès que vous fermez les yeux, c'est misérable. C'est malheureux pour toi. Vous savez quoi? Ce sont les démons que vous allez voir. Et vous allez dans le néant. Dans la perdition. Et là-bas, il n'y a pas de repréchage. Il n'y a pas de négociation. Il n'y aura même pas un petit temps. On laisse moi un petit temps pour aller se convertir. Et après je reviens. On te dira tu as veillé tout le temps. Ceux qui ont Jésus, c'est le temps que vous avez fait passer, que vous avez fait passer à Kimuta, au Grand Libulu et partout où vous étiez. Vous avez préféré passer votre temps là-bas.
Tout ce temps que vous avez perdu, et Dieu maintenant a arrêté. Aujourd'hui même, c'est la fin de ton mandat. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Prenez conscience, mes frères. Si vous gardez encore le fétiche, rejetez cela. Fais tomber ce fétiche. Fais-le sortir de ta maison. Si vous avez encore de la magie, renoncez à ça. Faites sortir toutes ces livres. Nous allons le brûler au nom de Jésus. Je t'informe ceci. Toutes ces choses ne sauve pas, ne protège pas. C'est seul Jésus qui donne la vie. Et c'est seul Jésus qui protège. Tous ceux qui sont donnés des fils, qui vous ont donné des fils ou des médailles, ils vous ont trompé. Après avoir se servir de ces choses, ça tire aussi la malédiction et les problèmes dans la maison et dans la vie. Et ça mène des blocages et des maladies, des diverses maladies. Aujourd'hui, vous vous réjouissez avec. Mais demain, le diable est derrière toi avec son gondo. Il attend seulement le moment pour te corriger par rapport à tout ce que tu as reçu. On ne reçoit rien pour rien au diable. Tout ce que vous recevez à lui, les conséquences vous accompagneront. N'attendez pas, mon frère. Vous devez recevoir Jésus ce soir. Amen. Amen. Ne regarde pas en arrière. Le plaisir de ce monde. Que cela ne te trompe pas. Ne regarde pas en arrière. Regarde Jésus. Ne t'arrête pas sur la plaine. Vous savez, baby, si Bartimée n'avait pas continué à crier dès qu'il avait entendu que celui qui passe c'est le fils de David. Ce qui Bartimée non. Il n'allait pas être guéri. Celui que tu as découvert, il est Jésus. Ne t'arrête pas. Continuez. À croire. À s'attacher à lui. Accepter cet homme. Ne regarde pas tes camarades. Ni tes amis. Ni l'entourage. Ne regardez pas ce monde. Ni l'influence de ce monde. Prends courage et prenez la décision. Lève-toi. Attache-toi à Jésus. Ce soir. Ici. C'est le montant de Golgotha. C'est là où Jésus a été crucifié. Tous ceux qui vont y approcher seront sauvés. C'est ce que je te révèle ce soir. Pour que Jésus soit mort, il a accepté la honte. Il a accepté d'être resté nu. Il a accepté qu'on lui jette la salive. Il a accepté toute son humiliation. C'est pour me sauver. Pour te sauver. Sauve-toi. Ne regarde pas à gauche ni à droite. C'est le jour de ton sali. Prends courage. Tu peux te lever là où tu es. Et s'approcher là où se trouve Jésus. Jésus est ici, mon frère. Tu peux seulement te lever là où tu es. Jésus te voit. Et Jésus te connaît. Quelqu'un
quelque chose va se passer. Alors comment quoi qu'on est cas? À celui qui croit en moi, la moto zone du malangai, il recevra le pardon de péché. À cause de lui, ça va sous. Et le sang de Jésus. Il va lui sanctifier. Et va lui purifier de tout péché. Et le Seigneur va lui déclarer juste. Le Seigneur va lui déclarer saint. Je sais qu'à ce soir, c'est une occasion favorable pour toi. Je ne suis pas venu ce soir vous montrer seulement les mariages, les voyages et tout ce que vous pouvez voir. Mais je veux vous montrer ce qui est plus que tout ça. La gloire peut te distraire. Les biens de ce monde peuvent te distraire. Mais moi je veux que tu sois sauvé. C'est facile. Celui qui veut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, tu peux lever ta main. Lève seulement ta main. Tu peux aussi avancer parce que nous allons prier pour toi. On pousse la sous moi libre sur un point de ton côté. Avance ici, je vais prier pour vous. Avance à ma protocole. Venez ici, je vais prier pour vous. Venez ici devant parce que nous allons prier aussi pour vous. Parce que nous allons prier aussi pour vous. Vous allez être ici, mais nous allons prier pour vous. Vous allez pour toi. Vous allez être ici. Jésus veut être sali. Il faut que ta vie soit sauvée. C'est le temps. Le temps est accompli. Approchez.
jour de ta vie, le jour de sa vie. Les amis, les lots. Jésus va changer votre vie. Vous me souvenez maintenant dans cette prière. Imagine. Mais avant cela, je vous demanderai d'abord de te donner toi-même à Dieu. Maintenant, livre-toi à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi. N'aïe pas n'aïe. Et si vous allez en bon. Pour ça, les amis vont être pour nous. Le bagage en colo n'aille pas nous. Ouvre ton cœur, dis seulement Seigneur, je viens à toi. Parce que le Seigneur a déjà frappé dans ta porte. Il faut que toi, tu ouvres toi-même la porte afin que lui entre dans toi. Dis cela toi-même. Dis le bas, colo n'aille pas nous. Le bas, bongo, pour mon délire, Zabé. Bon délire, Zabé, et puis ça, Zabé, là, tu n'aille pas, Zabé. Et puis ça, Zabé, là, tu n'aille pas, Zabé. Attends dans ma soupe la yote. Aya maye le lo la boka na ye. A komi sa yo poana na ye. Me pas sa pena yo gili le banana ti miko fungu la bote ma la kai. La ni miko yamba yo. Kolo ko utange la nga ma soupe te. Ye mi san zambe la yo. E sa mo kola lo piko po la yo le lo. Me kola bo yo konsu amon su su te. Amen. Wala toka ni miso na miso. Si komo kola ndanga na prière na mono kona biso alingala. Rappelez-vous, même si je prêchais en français, je suis la bien, mais c'est là qui pèse la tête. Parce que Bilili, au besoin, on a eu un temps pour la mon kilobimba. Parce que Bande Colabis, au besoin, on a Bilili, on a internet, et ce temps pour la mon kilobimba. J'ai été imposé comme ça, que la tête a pèse la mon oeuvre, ma tête a eu un peu de temps pour la pipa et batonneuse pour la vision internet. Ndereto sangani awa bazola ndabiso na États-Unis bazola ndabiso na Europe bazola ndabiso na Angola bazola ndabiso na Afrique du Sud mokili mobi bazola ndabiso. C'est pourquoi il a fallu que je prêche na lopoto pour na faciliter et pas inyo so monoko e kokokoma pa yo kabiso pesa mala. Ya mona ko senga la yo pa sali landanga siko parce que o etali siko yo yo o yo sali bosolanga to sana yo landanga na monoko na biso ya mboka na lingala. Tala miso landanga na prière. Kolo Yesu, kolo Yesu. Na yo ki malo bana yo. Lelo. Na so soli. Mokili oyo. Ekoleka. Na so soli. Na salimo paya. Pe mo le kinzela. Na mokili oyo. Nyonso ya mokili oyo. Ezana li tombate. Oye za motuya. Ezali yo Yesu Kristo. Yango na ye. Na ye pa inayo. Na ye na ngomba. Na ngomba ekulusu. Epayo lakisi lo piko na ngai. Na ye pa inayo. Na fungoli motema na ngai. Yaka nkolo. Kota na motema na ngai. Kobanda sikoyo. Koma nkolo na ngai. Pe mo pikisi na ngai. Nazwi mokano. Yako landa yo. Yako salela yo. Na bomo inangai. Na boi mokili oyo. Na boi satana. Na lingani na yo. Na lingi yo nkolo. Pe na yambi yo. Sera sauvé. Nous allons maintenant crier Jésus cette fois. Bartimée a crié plusieurs fois. Et après, les chaînes sont tombées. Les liens sont rompus. Et la grâce a abondé. Le miracle s'était accompli. Nous allons maintenant crier avec toi. Nous allons crier Jésus à haute voix. Crie avec force. Tu m'as crié Jésus. Jésus.